des Angoules, je tombe sur toi. Je vais en Égypte, tu me mets des bâtons dans les roues. Maintenant, tu m'empêches d'envahir la Bretagne. Tu as clairement décidé de me pourrir la vie. Bah écoute, Jules, c'est comme ça. Ces aventures d'Astérix, c'est pour les aventures de César. Les aventures d'Astérix ? Je sais que je ne peux pas refuser le César parce que c'est le film, la partition du film est écrite de manière efficace, très drôle. 9 jours, Malte, Hongrie, qui se veut mieux. Incroyable. Moi, je crois bien que j'ai la côte avec les dieux. Je trouvais le rôle bien écrit. Je trouvais que c'était amusant de jouer un personnage qui n'existe pas dans aucune bande dessinée et qui a été inventé et qui aurait pu tout à fait se trouver dans un des albums d'Astérix. Les compagnons sont... Gaulois, il est facile de le deviner. À l'accent. Non, à l'odeur. Moi, j'étais impressionné au départ de rencontrer Gérard Depardieu et de rencontrer Catherine Deneuve, par exemple. Mais ça dure 2 secondes, quoi. Ils vous mettent à l'aise dans la seconde et puis après, voilà, let's go. Ce qui a été impressionnant, c'était voilà, c'est de tourner pendant 5 mois, de porter ce film pendant 5 mois. Ça, c'est vrai que moi, je l'avais jamais vécu. Alors moi, je fais Goudurix. C'est le neveu du chef du village, en fait, qui a amené en vacances chez Astérix Obélix parce qu'ils veulent en faire un homme. Alors bon, voilà, c'est un dragueur et puis il va se faire... Et un peu peureux. La violence, c'est vraiment l'expression des faits. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit, là ? Désolé, Astérix, un moment de faiblesse, c'est très humain. Quelle est votre potion magique ? Ma potion magique, c'est la passion, l'admiration pour cette langue absolument sublime qui s'appelle la langue française. Ma potion magique, bon, j'en ai pas. J'ai pas vraiment de potion magique, malheureusement, j'aimerais bien en avoir.